Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto. Alors déjà, je suis ravi de vous retrouver parce que j'avais eu une grosse panne avec mon PC. Donc voilà, la panne a été rétablie. Donc je suis ravi de vous retrouver. Alors, j'aimerais justement continuer sur un chapitre que j'avais élaboré qui était sur ceci, qui était sur Inkscape. Parce que voilà, c'est une interface qui est vraiment très très intéressante. Ça peut vous donner justement des compléments pour vos créations. Alors, voilà, le plus facile pour vous, je vous montrerai le lien dans la description. Une fois que vous avez ce lien ici, vous cliquez ici, présentation. Voilà. Et vous avez pour Linux, pour Mac et pour Windows. Vous cliquez sur Windows. Voilà, vous choisissez 64 bits ou 32 bits. Bon, à mon avis, ce soit 64 bits. Et vous laissez la procédure suivre. Donc, à un certain moment, vous allez pouvoir ouvrir votre Inkscape. Donc, que va-t-il se passer? Je vais vous montrer une page que moi j'ai faite sur Inkscape. Qui est ceci? Vous allez me dire, pire, mais qu'est-ce que c'est? Mais justement, je suppose que la plupart déjà qui ont ouvert Inkscape, que j'en avais parlé dans le précédent tuto, ont sûrement joué avec, dans l'édition, dans les préférences, joué sur l'interface. Et à un certain moment, bon, ils se disent, oh là là, je m'en sors plus pour avoir une interface convenable. Donc, vous voyez ici, j'ai vraiment mis un peu du grand et n'importe quoi. J'ai mis du bleu, enfin bon, bref. Alors, pour ceux que ça intéresse, ici, je vous demande d'aller dans Édition, dans Préférences. Je vais fermer ceci. D'aller dans Système. Oui, dans Système. Et faire une réinitialisation des préférences. Ce que moi je vais faire. Donc, on va redémarrer à zéro. Donc, je réinitialise. Voilà. Une fois que ceci est fait, je ferme ceci et je ferme cela. Que vais-je faire maintenant? Je vais tout simplement réouvrir Inkscape. Une fenêtre va s'ouvrir que vous avez têtu au départ. Je vais bien s'ouvrir. Voilà, vous avez sûrement eu ceci. Ici, en fait, c'est un genre de raccourci qui vient sur vos préférences. Vous pouvez aller choisir par défaut, vous voyez, le sombre, ainsi de suite. Vous pouvez aller choisir l'aspect couleur, vous voyez, par rapport aux icônes. Vous pouvez aller choisir, par exemple, ici aussi, dans l'imprimé, choisir du A4. Ce que je vais faire, je vais prendre ici du A4. Bon, Inkscape va s'ouvrir. Alors voilà ce qui va, en principe, vous donner. Donc, par quoi allons-nous commencer? Et d'abord, on se dit, est-ce qu'on va le garder en noir ou pas? Et vous voyez que j'ai ici des outils. Vous voyez? Et j'ai ici les options des outils aussi, des compléments. Il y en a qui préfèrent peut-être l'avoir sur la droite ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire que ces outils-ci se trouvent sur la partie supérieure. Il vous suffit d'aller dans Affichage et vous voyez de décocher Écran large. Boum, il se trouve au-dessus. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous voulez désirer, supprimer la barre grise qui se trouve au-dessus en faisant Affichage et faire plein écran. Vous voyez, vous avez ceci. Un exemple. Je retourne à Affichage. Et je décoche ici, je recoche, voilà, plein écran. Alors, maintenant, allons voir justement dans les préférences. Nous allons fermer les outils. Et nous allons aller uniquement dans l'interface. Nous avons ici la barre d'outils, parce qu'on voit que la barre d'outils ici est petite. Si je vais dans la barre d'outils, j'ai plusieurs possibilités. Vous voyez ici. Vous me dites, oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Vous voyez que ça change un peu là. Donc, ce n'est pas trop intéressant. Enfin, ceux qui peuvent essayer. Mais vous voyez ici que je peux, par contre, agrandir les icônes. Si je clique ici, vous voyez dans la barre, vous voyez qu'ils ont nettement augmenté.
contre, c'est resté ici, les valeurs initiales. Là, il me suffit aussi de cliquer sur la partie supérieure en cliquant sur la zone inférieure. OK. On voit déjà un peu plus clair. Je vous mets dans le plus simple, hein, mais enfin, qui peut être très, très intéressant. Donc, maintenant, nous allons aller dans les thèmes. Voilà. Si je mets ceci, je mets ceci. J'ai bien... Et j'ai mis en gris. D'accord? Pour vous montrer, hein, je peux décocher, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Mais nous allons revenir là-dessus, justement. Vous avez la possibilité, d'ici, d'aller dans la height contrast. Je clique height contrast, c'est bien ce zone-ci. Si je clique dans height contrast, inverse, qu'est-ce qui passait? Vous me dites, mais il n'y a rien qui s'est passé, Pierre. Donc, si je reviens ici dans contraste, ça devient en clair. Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi ça change en une fois? OK, mais nous allons revenir tout doucement. Vous avez cette possibilité ici. Vous avez l'autre possibilité de faire Minweta Inkscape. Oui, ça met ici, justement, plus foncé les icônes. D'accord? C'est des exemples que je vous donne. Vous avez Win32. Ça change. Vous avez utilisé le thème du système Adweta. Ce que je vais prendre, moi. Alors ici, si on regarde bien, j'ai le contraste. Si je joue ici avec le bouton de commande, je peux foncer légèrement la zone. Vous voyez, vraiment, ouais, bon vous semble. Je vais prendre à peu près comme ceci. Voilà. Alors vous me dites, j'ai 100% ici par rapport à l'échelle. L'échelle de quoi? Mais justement du texte qui se trouve ici, fichier, finition, affichage. Et je vais l'augmenter par exemple. 111, et je fais appliquer. Oui, ça a grandi. Voilà, pour moi, il me semble correct. Alors, que va-t-il se passer? J'ai ici aussi changé le thème des icônes. J'ai multicolore, j'ai height color, oui, comme ceci, vous me dites, il n'y a rien qui se passe. Mais vous avez des couleurs ici, hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous avez tango, ah, ça se met légèrement en couleur, il me semble. Et vous avez utilisé les icônes système et Edweight. Et vous voyez que si je décoche ici, enfin si je coche utiliser les icônes symboliques, il va se mettre beaucoup plus clair. Vous voyez? Donc je décoche ceci. Ici, ce qui se passe, c'est que je les ai en couleur. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est bien marqué ici. Utiliser les icônes avec les couleurs par défaut. Donc si je coche ici maintenant, et que je décoche celui-ci, il le met en noir. D'accord? C'est un exemple. À ce moment-là, vous pouvez cliquer ici, et choisir par exemple sur la roue dentée du vert. Ou du bleu, ou du rouge. C'est un exemple. Hein. Voilà, et là, il s'est remis en noir automatiquement que j'ai repris ici les icônes. Donc, que vais-je faire? Je vais simplement l'utiliser ici au niveau couleur que je trouve pas mal du tout. Ça, ce sont des exemples. Vous en avez plusieurs. Hein. Vous pouvez changer ici par rapport aux icônes inférieures. Ici. Allez. Elle ne veut pas maintenant. Si j'enlève celui-ci,
Voilà. Elle veut pas. Je l'ai eu là tantôt quand je faisais mon sans enregistrement. C'est bizarre. C'est bizarre que je ne parviens plus à la revoir. C'est vraiment bizarre. Là, j'avais le noir. Ouais. Ce qui était logique. Bizarre qu'il veut pas. Mais je l'ai eu, hein, donc est-ce qu'il y aurait l'enregistrement qui le permet ou pas? Mais enfin, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Donc ici, je vais le laisser en couleur. Voilà une bonne chose. Vous voyez que j'avais vraiment joué uniquement avec le thème et la barre d'outils. Hein, vous voyez? Vous pouvez ici agrandir vos outils et vous jouez avec vos thèmes. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Utiliser le système Adweta, voilà, j'ai augmenté l'échelle à 111%, j'ai diminué un peu le contraste, et voilà, j'ai mis ici le dernier utilisé, voilà, utiliser l'icône, et j'ai décoché ici. Sinon, vous pouvez le laisser cocher, mais en utilisant d'autres icônes et d'autres thèmes. Donc voilà, ceci étant fait, je peux fermer. Que vais-je faire maintenant? Mais je vais vous montrer ici des petites nouveautés justement par rapport à ce Inkscape que je vous disais que ça peut être des compléments pour vos futures créations. Je prends un exemple, je prends ici l'outil de forme, c'est-à-dire un arc. Et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je peux créer une sphère parfaite ronde. Vous voyez? En appuyant sur la touche CTRL. Si je n'appuie pas sur la touche CTRL, vous voyez, je peux aller dans tous les sens. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je peux jongler ici, hein, avec les boutons de commande. Mais tout ça, ce sera dans des prochains tutos pour donner d'autres formes, justement, adéquates par rapport au cercle. Ici, je vais vous montrer tout simplement un aperçu d'une autre proposition. Donc, je vais revenir ici sur l'outil. Sélectionner, voilà, j'appuie toujours sur la forme, la touche CTRL, je reste appuyé et je jongle ici avec la grandeur, pour rester plus ou moins à la fenêtre. Là, je peux venir au centre, diminuer un peu, descendre mon image. Ok, que se passe-t-il? Vous voyez que j'ai des couleurs qui se trouvent ici en dessous. Si je clique sur la couleur, le rouge, ça va devenir en rouge. Sur du bleu foncé, enfin bon. Vous avez la possibilité ici de changer de couleur. Vous voyez, je clique sur la flèche qui va vers le bas ou revenir sur les fonctions initiales. J'ai ici trois petites barres horizontales qui me permettent de choisir d'autres éléments. Je vais prendre par exemple Gold. Vous voyez, ce sont des couleurs plus ou moins vert, couleur Gold. Je vais revenir ici et reprendre Inkscape par défaut. Voilà, je peux recliquer ici par exemple dans les trois petites barres horizontales et configurer. Là, je peux donner taille des tuiles. Donc, je peux les agrandir. Vous voyez? Je peux donner un aspect différent. Voilà. Je peux étirer pour remplir. Voilà. Je peux mettre une bordure. Je peux mettre des lignes. Oui, c'est tous les petits exemples que je vous donne. Voilà, je suis satisfait. Je clique ailleurs. Maintenant, vous dites, OK, j'ai bien un fond bleu. Je peux faire un double clic, hein. Ici, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour les fonds. Vous voyez, je montre bien ici un fond que je peux supprimer ce fond en cliquant sur la petite croix. Et je peux remettre de nouveau la couleur.
OK. Vous pouvez garder cette fenêtre, un exemple. Vous pouvez aussi, par exemple, ici, fermer cette fenêtre, elle n'existe pas, par exemple. Cliquez sur la croix pour supprimer la couleur. D'accord ? Vous voyez qu'ici, en dessous, j'ai aucun. Si je prends une couleur noire, je la prends et je la glisse, et je la glisse en dessous. Je ne sais pas si elle l'a pris. Non. Je vais reprendre une couleur. Voilà. Je vais faire un double clic. Non, double clic là, pardon. Voilà. De moment, il y a une petite, ici, une petite fenêtre en dessous qui permet pour les bords. Enfin, donc un double clic sur la fenêtre ici. Voilà. Donc, je vais supprimer le fond. Je vais aller dans les contours ici, vous voyez. Contours, je vais lui donner une couleur. Donc, j'ai cliqué simplement ici, donner une couleur. Je peux aller dans le style du contour. Je peux faire un clic à l'intérieur. Je peux donner faire plus. Voilà, j'augmente. Je vous montre ici, justement, pour donner le rendu que je veux vous présenter. Une fois que ceci est fait, je suis content. Je peux fermer ceci. Je vais faire ici de nouveau. Pour activer ici mon cercle. De là, je vais aller dans chemin et je vais sur effet de chemin. Vous voyez, j'ai un effet de chemin. Si j'aurais cliqué sur un autre, voilà, maintenant c'est toujours le plus ici. Je peux même toujours rester sur mon outil pour mettre à mesure. Je peux faire un plus. C'est-à-dire qu'il va me donner un effet de chemin. Lequel ? Une fenêtre qui va s'ouvrir et me donner plusieurs possibilités. Et je vais prendre celle-ci. À vous, par la suite, d'essayer d'autres. Ici, je vous montre tout simplement celui-ci. Et vous me dites, waouh, Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais diminuer ma fenêtre. Oui, vous me dites, oh là là. Donc, je vais diminuer cette fenêtre ici. J'appuie sur la touche CTRL et je vais le présenter ici et je vais cliquer ici pour me mettre à la taille de l'image. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez que j'ai ici nombre de copies 6. Si je clique et que je mets 40, boom, j'ai ceci. Vous dites waouh. Mais je n'ai pas de bouton de commande, en fait. Par contre, si maintenant je viens ici, dans l'outil chemin, il me donne des clés, vous voyez. Je peux jouer avec ces clés. Vous voyez, ici. Je peux cliquer ici et ouvrir. Sur celle-ci. Oui, tout ce que je peux imaginer. Ça me fait penser surtout à Donuts. Vous voyez qu'on peut, par exemple, incorporer, mais même ça peut se faire sur Inkscape, et lui mettre une texture et donner un effet de Donuts. Je peux augmenter et mettre 60. Vous voyez. Ce sont tous des petits exemples que je vous donne. Donc, en étant ici sur mon outil, je peux le recadrer. Je peux le diminuer, j'appuie sur la touche CTRL. Voilà. Je peux revenir toujours sur mon outil chemin. Là, je peux encore jongler avec. Hein. Je regarde ce qui se passe. Si je prends celui-ci. Si je prends celui-ci. Ouais. C'est tous des exemples que je vous donne. Voilà, vous avez ceci. Vous voyez, si je tourne à gauche ou à droite. Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Donc, vous avez vu ici que dans la fenêtre effet de chemin, vous avez déjà beaucoup de possibilités. Je vous montre ici en deux petits clics ce qu'il y a de possible de faire justement ici avec un cercle.
Oui, donc, vous pouvez imaginer tout ce qui est capable de faire avec Inkscape. Donc ici, c'était surtout sur l'interface, de pouvoir vous donner justement une interface qui vous plaît, à votre convenance. Et je vous trouve, bien sûr, au plus vite pour d'autres tutos par rapport à Inkscape. Et déjà, je suis ravi de vous avoir retrouvé. Alors, je vous fais de gros bisous et à très vite pour un nouveau tuto. Merci à vous.